Hello. Hey, salut, c'est Antoine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de l'exode d'Antoine Isaïe, toujours sur l'exode d'Abe. Donc à la fin de l'épisode 5, on arrivait à la gare de Fico, voilà. Et on s'apprête donc à traverser ce bâtiment Glucon pour d'autres destinations encore plus sympathiques. Mais tout d'abord, voilà. Premier truc, truc numéro 1 de Tonton Aslik. Tonton Aslik, c'est le Glucon qu'on voit en haut à gauche là. Comment s'amuser en pétant? Comment s'amuser en pétant, absolument. Tu as vu ce qui arrive quand on boit de la bière, pète à tes risques et périls. Ok, donc j'assure que ça, quand on a 10-12 ans, c'est très très drôle. Hein. Comment s'amuser en pétant? Alors, vous allez tout de suite voir comment on s'amuse. On boit de la bière de ce distributeur ici même. Voilà, la bière Soulstorm, hein, c'est la bière qui fait que les autres deviennent au con, je vous le rappelle. On pète devant la mine, vite on s'éloigne, et vous voyez qu'on a un nuage de paix qui reste, un nuage nauséabond, qui s'apprête à exploser. Comme ceci, voilà, après un petit timer de 5 secondes. Alors on va reboire une petite bière. Donc je vous assure que ça, quand on est enfant, c'est vraiment l'éclate, hein. Pouvoir lâcher des caisses explosives, je vous jure que c'est super drôle. Bon, quand on est un peu plus grand, c'est un peu moins divertissant, mais ça reste quand même assez sympa. Faut l'avouer. Truc numéro 2 de Tonton Rastique, comment s'amuser encore plus en pétant. Ça marche génial. J'aime trop les panneaux toujours là. Fais une incantation L1, L2 pour envoûter un P, fais une nouvelle incantation et le P explose. Et ne pas essayer à la maison, évidemment, les enfants, vous êtes prévenus. Alors là, on va voir une nouvelle capacité du gameplay qui consiste donc à envoûter ses P. Vous ne rêvez pas, voilà, on lâche une pièce, on l'envoûte. Et attention. Voilà, et on peut déplacer ce fameux nuage nauséabond à travers les tableaux. Même, vous voyez, on va aller à droite comme ça, hop, on peut se balader de partout avec son P. On peut même faire un quad feed avec les slings. Ah, j'en ai eu deux, dommage. Voilà, donc là, le but de la manœuvre, ça va être de boire de la bière pour pouvoir avoir l'estomac rempli d'explosifs. On relâche la pression. On envoûte, allez, allez, avant que le timer se finisse, on explose comme dire. On va faire péter les mines ici présentes. On va se mettre au milieu. Ok, il en reste une là. Deux de l'autre côté, c'est pas terrible, terrible. C'est pas grave, allez hop. On a, voilà, on a un compteur de bière quand même, on en a pas en illimité, donc il y a des fois où il va falloir utiliser ses P avec parcimonie. Oui. Comme quoi, les gars, faire attention. Bon, la mine qui est juste en dessous, on va pas s'amuser à la faire péter, on va pouvoir sauter par-dessus. Par contre, il reste deux sligues là-bas à droite à exploser, on va le faire tout de suite. Hop. Pour éviter les allers-retours, on va rester ici au cas où, hein. Hop, allez, on y va. On traverse le tableau. Donc là, vous constatez que la gare, on retrouve. Merde, putain, il manque encore un, quoi. On retrouve des installations assez industrielles, hein, très métalliques. Ça change radicalement de ce qu'on avait précédemment, qui était les mines. Les mines, donc un environnement plutôt avec des pierres, hein, simplement. Et les temples, c'était voilà, plus de la jungle, ou même encore un peu rocailleux, quoi. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir avancer. Donc tout ça pour dire que Oddworld, c'est vraiment une très grande variété d'environnements et nous le prouve encore plus voilà, avec cette gare hein, qui reprend vraiment le design d'une gare hein, avec toutes ces structures métalliques qu'on peut retrouver dans toutes les gares françaises. Alors, enfin les grandes gares françaises plutôt. Hein. Parce que si vous allez à la gare de Moncu, je sais pas quoi, là, vous ne trouverez pas. Oh putain, sur le levier comme ça sans savoir ce que ça va faire. Quick save au cas où, on va descendre. Ah putain, des slicks, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Un slick volant, ok, c'est jamais très bon ça. Oh putain, des mines, oh putain, une mine. Vite, 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 encore une mine. Ouf, c'est chaud là. Oh putain, ils vont m'exploser la gueule. C'est bon, ça passe. Ouais, oh, il a explosé son pote, c'est abruti. C'était tendu là, hein. Passage entre les grenades. Vite, 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 vite avant qu'il monte, sans ça, il monte pas. Ok, ça ouvre la porte, parfait. On va aller voir ce qu'il y a à gauche. De toute façon, si j'essaie d'aller à droite, j'explose comme une merde. Ok, on y va.
Parfait, on retrouve le truc de bière. On va pouvoir se descendre une petite bibine tranquillou. On va faire péter ici d'abord. On va faire exploser les mines. Hop, c'est parti. Bien. Je me suis coincé. Allez, on y va. Eh oui, on peut arriver à coincer du gaz contre une paroi. C'est assez fou quand même. Attention. Voilà, il n'y a plus de mine. Effet pyrotechnique toujours très impressionnant. Enfin, je tiens à le signaler. Même dans les jeux actuels, des fois on n'a pas d'explosion aussi bien faite. Allez, on retourne à droite, on va pouvoir passer la porte. On va éviter de courir pour pas se manger comme une merde. Hop, très bien. Avec la petite pancarte au-dessus de la porte, vous voyez, interdit de péter. Attention, hein. Soyez prudents, les gars. Allez, on passe la porte. Bon, sinon, concernant la durée de la vidéo, j'ai aucune idée de la durée de cette vidéo. Là, franchement, il me reste une semaine pour finir le jeu avant que je me barre en voyage. Donc écoutez, je vais jouer comme bon me semble. Et dès que je sentirai d'arrêter la vidéo, j'arrêterai. Ça pourra faire une demi-heure, une heure et demie, on verra bien. Donc là, j'arrive dans le hall principal, où on voit le panneau derrière moi, tous les terminaux, donc les Barrackmans League, Bonwers, Bureau de la Direction et Brasserie Soulstorm. C'est donc 4 nouveaux environnements où je vais devoir aller avant de faire exploser la Brasserie Soulstorm, qui est, je vous rappelle, vraiment le terme de l'aventure. On va quand même jeter un coup d'œil au plan ici, le plan de la gare, j'imagine. Alors, tu es ici, voilà. Et donc, on a les 4 directions vers la Barrackmans League, Bonwers, Soulstorm, Figo, voilà. Ok, agent en poste 26, donc les agents en poste, c'est les mudocons qui travaillent à la gare, en fait, tout simplement. Et on va essayer de les sauver, hein, les petits. Bon, là, on s'en fout de la bière, on prend une petite bière. Allons-y, on va faire péter les mines. Par contre, attendez. Là, on peut pas envoûter ici, parce qu'il y a... Vous voyez, la boule juste à droite de Abe, là. C'est la boule anti-envoûtement qui est au fond, donc on ne pourra pas la faire exploser. Par contre, celle qui est là, on la voit au premier plan, on peut la faire exploser. Et comment? Simplement en pétant. Oui, oui, monsieur. Voilà, c'est quand même bien pratique hein, de pouvoir péter comme ça. Là. Ça nous offre une arme, mine de rien, assez puissante. Parce que Abe, finalement, est complètement démuni. Hein, il peut lancer des pierres, voilà. Il peut même lancer des grenades quand on a accès à des grenades. Mais dans l'ensemble, on est quand même très très fragile, et là le fait de pouvoir avoir des pets explosifs, c'est juste incroyable. Ok, donc là on va pouvoir faire péter les mines qui sont à notre droite, à notre gauche, pardon. Allons-y. Paf, il n'y a plus de mines, très bien. One shot. Et on va monter ici. Allons-y. Rupture Farm, hors service. Bah oui, Rupture Farm, c'est donc l'industrie qu'on a fait péter dans l'Odyssée d'Abe, le premier Oddworld. Et donc là, ouais, c'est hors service, il n'y a plus de personne, tout a explosé, donc on n'y a plus accès. Alors, faites vos bagages, Barrackmans League. On va aller au Barrackmans League. Hop. On est parti. Donc les Barrackmans League, c'est là où on va retrouver le général, je ne sais plus comment il s'appelle, général Drippy, qui me semble. Voilà. Truc numéro 3 de Tonton Aslik. Il ne rate pas les Barrackmans League, commandé par le seul et l'unique, le général Drippik. Bien plus une destination, une aventure. Ah, donc, le général Drippik, c'est celui qu'on voit en bas à droite. Là. Et donc, le but, ça va être d'aller dans ces Barrackmans League et, ben, simplement, de tuer le général Drippik. Oui, oui, oui. Merci pour le quiz. Donc, on est parti, on y va. Slick Barracks. Bon, un petit coup d'eau, hop. Ah non, d'accord, ouais. Les ennemis aussi c'était trop simple, on n'avait pas tout de suite arrivé dans les Barrackmans League. Il est où, Abe? Ah oui, mais il est dans le noir, on le voit pas. Je porte à la confusion. Ben on va sauter là. Et je me ramène ici, c'est super. Donc là, va falloir se la jouer à Solly Snake et évoluer dans le noir. Enfin, c'est plus à la Sam Fisher, hein, parce que c'est... Oh merde. Et voilà, ça c'est fait. Les mecs, ils ont pas hésité une seconde. Très très bien, très très bien. Alors... Oh putain, je respawn ici. Oh... Oh, le truc pas cool.
Attends, moi je pensais qu'en passant la porte des Valérie Barak League, ça me faisait une petite auto-save. Mon cul, ouais. Ok, c'est pas grave. On va se la refaire, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai oublié de faire la quick save, j'ai oublié de faire la quick save. C'est des choses qui arrivent, hein. Je rallonge un peu la durée de vie, hein, c'est tout. Je rallonge le plaisir de pouvoir péter en voûte à mes pieds, c'est tout. Que du bonheur. Plus qu'une activité, une passion. Allez. Hop. Putain, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de fail avec les quick save, ça me manquait pas, franchement. Franchement, entre nous, ça me manquait. Voilà. Ceci étant fait, on peut remonter. Ça, c'était pas trop long non plus. Allez, hop. Rupture phare. On monte. On va passer par là. Voilà, parfait. On est parti. Et cette fois-ci, on va pas faire le boulet. Et on va pas oublier de sauvegarder. Quick save. Merci, madame. Barrez-vous, con de Slig. Et hop. Ouh, c'est bon, je suis en bas. Hop, allez. Ah, donc un gameplay à la Sam Fisher, comme je disais. Plus à la Splinter Cell. Splinter Cell, faut toujours rester dans le noir. Hein. C'est le truc... Oh putain, mais attendez. Y a un problème, là. Faut que j'aille désactiver ce putain de champ électrique. Et comment faire, hein? C'est par où, là? Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Donc je saute dans le puits, en fait. Comme ceci. Eh ben non, pas comme ceci. Non, écoutez, là, je suis complètement paumé. Comment on fait pour arriver là-bas? Je vais rentrer par la porte, là. Ça me dit rien qui vaille, là. Je comprends pas trop. Employé uniquement. Il va falloir que j'aille là-bas. Employé uniquement. La porte ici. Hop. Allons-y. À mon avis, c'était là qu'il fallait aller plutôt que aller dans le truc Slick Barracks. Ouais, c'est ça, voilà. Je me suis dit, cette porte employée uniquement, je vais pas y aller tout de suite. Mais en fait, il fallait que j'y aille tout de suite, oui. Ah merde. Voilà, c'est fait. Ah oui, c'est de là que vient. C'est là que vient le fait qu'il n'y ait pas eu d'auto-sauvegarde du jeu. C'est qu'en fait, là, on est encore dans un truc intermédiaire, on n'est pas encore vraiment dans les Barracks League. Et du coup, il considère qu'on est encore dans la gare, il a pas voulu sauvegarder, ce petit enfoiré. C'est parti, cette fois-ci on va pouvoir traverser le tableau tranquillement et aller jusqu'à la porte sans encombre, j'imagine. Et j'espère. Wouah! Olé! Abe qui nous a fait une esquive un peu à la Néo, j'ai envie de vous dire. Il a traversé les balles. Bon, les slicks, barrez-vous là. Barre-toi, toi. Barre-toi, t'es moche. Et hop. Ça, j'adore ça. Infiltration, ça me rappelle Metal Gear. Dépêche-toi, toi. Vite. On passe la porte. Ouf, c'était chaud. Timing serré. Mais c'est ça qu'on veut voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Voyons voir. Truc numéro 6 de Tonton Aslik. Seuls les Slig prouvent. Oula, il y a une faute de frappe là. Regardez, seuls les Slig prouvent, il disait. Putain, les mecs de la traduction là, ils ont vraiment foiré quoi. Seuls les Slig peuvent utiliser les verrous de reconnaissance vocale Slig. Ils ont marqué prouve, ils ont mis un R à la place du E. Genre sur mon clavier, effectivement. Ah oui, effectivement, le R et le E, c'est assez proche, mais bon, c'est quand même pas une raison pour laisser une faute grossière comme ça, une faute de frappe dans un jeu. Bon, c'est pas grave, hein. On les pardonne, ça rajoute un peu de folklore au jeu. Alors. Ah, ça lui plaît pas, ça. Voilà, donc là, faut que j'envoûte un Slig et que je le ramène devant le verrou. Alors, par contre, ouais, on va descendre, de toute façon, j'ai pas le choix. On arrive ici, je vais voir ce qu'il y a à gauche avant de sauter dans le puits à droite. On a un slig ici, un truc anti-envoûtement, ça va pas le faire.
Bah écoutez, du coup, on va aller prendre le puits qui, à mon avis, on va m'emmener au tableau derrière là. Regardez, hop là, je ressors. Allons-y. On passe la porte. Ok. Alors, oh putain, il y a du slig là. Ouh là, il y a du slig en faction. Putain, ça rigole pas. Ouh, invisibilité, nice. Hop, pouvoir d'invisibilité, on va pouvoir traverser le niveau tranquillement. Ok. Alors, où ça nous ramène? Ça nous ramène là, c'est parfait. Donc là, on retrouve le pouvoir d'invisibilité qu'on avait dans les temples Mulanchi et Mulomo. Le but, c'est de faire une quick save. On met l'invisibilité. Oh putain. Et on cavale. On cavale, on cavale, on cavale. On saute ici. Putain, oui, en plus, le pouvoir s'estompe très vite là. Oh! Non! Ah putain, j'en étais sûr! C'est piégeux, mais c'est piégeux! C'est piégeux, mes amis. Le petit truc où il faut se baisser et où je me mange la gueule comme une merde. Ça fait déjà deux fois que ça m'arrive. Et merci la quick save, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est reparti. J'ai même pas attendu la fin du freeze HP vert pour repartir, rien à foutre. Hop là! Magnifique! On peut remonter, en plus on nous refile le pouvoir d'invisibilité à distance, c'est parfait. Allez. On monte. Très bien. Une fois que je suis là, comment je fais pour sauter là? Quick save. Oh, ça va être chaud là. J'ai qu'un pas d'élan. Hop là, ça passe. Joli. Et ça passe aussi. Ah voilà, on va pouvoir faire popper un slig là. Parfait. Aïe, c'était pas bon. Ok. Quick save. Popage de slig. Envoûtage. En plus, quand j'envoûte, je deviens invisible. C'est super. Ok. Donc là, j'ai un slig en ma possession. Ok. Donc là, il nous a fait un code. Merde, c'est pas ça. Donc là, il va falloir que... En fait, il m'a fait une sorte de code vocal. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai repéré les touches de parole. Ah, attendez, je vais sortir d'ici. Ah, donc, je vous rappelle que Slig, donc, il peut parler, le Slig, comme tous les animaux qu'on envoûte. Donc, je fais salut. Voilà, on peut aussi tirer la mitraillette. Et on a également des sons propres au Slig. Voilà. Ou le rire. Et on va s'en servir pour passer les portails. Écoutez. Ah oui, il faut que je lui réponde. Et voilà, et on ouvre la porte. Donc, on dit salut au verrou. Il nous fait un code, il faut qu'on le répète. Ouh, il est dans l'air chaud là. Quick save. Ah, donc là, les Slig d'en haut, ils peuvent pas me toucher avec leur grenade. Oh, joli, ils se sont auto-annihilés. Ah, les petits Slig distraits se font annihiler à coups de grenade. Hop, c'est bien avec les mitraillettes, c'est que du coup, on peut les massacrer comme on veut, les autres Slig. C'est un vrai plaisir. Ça devient un shooter, le jeu. À droite, y'a rien. Eh bien, allez, on descend. Tac, 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 tac. Et on va se retrouver devant le verrou. Ah merde, on ne peut pas aller plus bas. Salut. Comment ça passe? Salut. Voilà, donc là on a pu ouvrir la porte, c'est parfait. On va descendre ici, et voilà, on s'éclate comme une merde. Okay. Bon bah très bien, pas de problème. Du coup, maintenant que j'ai libéré le passage et... libérer l'autre passage, voilà, j'ai ouvert la porte, j'ai massacré les Slig, tout est bon, j'ai plus qu'à me diriger vers la porte. Et là on voit la petite affiche derrière, vice-président Slig, respectez l'heure des trains. C'est vrai que les glucons, c'est toujours, comme je vous rappelle, une véritable dictature, hein, des créatures sans aucun scrupule qui massacrent toutes les autres races. Ils s'en foutent les glucons, ils sont comme ça. Allez, sortie sans retour, Slig Barrack. On va pouvoir prendre le train. Il y a sûrement une petite cinématique, donc je vais vous laisser avec cette dernière.
Voilà, alors c'était vraiment une grosse cinématique, c'était juste une petite cutscene. On a pu apprécier le design du train, hein, très 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 futuriste. Et nous voilà donc au Baraquement League. Donc ce qui implique qu'on va se retrouver avec des centaines et des milliers de Slig sur les bras. Hop là, vous avez vu déjà, ça commence, on se fait mitrailler la gueule, faut se cacher derrière les sacs de sable pour pas mourir. Ça va être sportif là, les Baraquements League. On entend la petite musique un peu militaire derrière, j'aime beaucoup. C'est ça qui est fort aussi, c'est... Je parle de l'aspect visuel, par exemple là on voit les baraquements flics derrière, on voit les grandes tours et tout, c'est très 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 joli. Mais aussi l'ambiance sonore, qui est vraiment excellente, je vous rappelle que les bruitages sont géniaux. Les musiques sont vraiment bien aussi. Alors qu'on voit, vous voyez le levier là, juste derrière le levier on voit la petite affiche Abe Wanted. Très très bon. Alors, on a un slick qui fait sa ronde là. Ça ronde assez vite même, alors comment je vais faire pour arriver jusque là-bas? Quick save. Ok. Ouais, en plus il entend quand je fais des roulades, c'est pas génial génial. Oh oui bah il m'a battu comme une merde. Là c'est un peu tendu là. Comment on va faire pour s'en sortir ici? Alors. Ça s'annonce sportif, je vous dis, hein, les Baraquements League. On peut se faire mitrailler de tous les côtés. Ah ouais, là c'est tendu. Là c'est tendu. Putain, comment on va faire pour que Slig arrête de nous faire chier? Petit coup d'engouement peut-être. Ça excite un petit peu. Ouais. J'ai connu mieux. On va attendre qu'il se casse. Et là je crame. Ok. Je me disais aussi. Je vais tenter le coup de sauter, voir si je pouvais rester juste sur le bord. Mais tu parles. Je me suis fait électrocuter, mais directement comme une merde. Ok, c'est pas grave. Et là après, forcément, je me fais abattre. Ah, c'est chaud ce passage là. Putain, mais c'est tout con, ils te mettent un slig, un levier, et putain, c'est super super tendu quoi. Quoi, vas-y, bouge. Ok, vas-y, dégage. Vite! Ouh, ok, c'était ça en fait, fallait juste... Mais là, vous avez vu le timing, sérieusement? Vous avez vu le timing qu'il fallait, quoi? Mais c'est incroyable. Bon, allez, quick save. Incroyable le timing, quoi. C'est genre, mais... Ça... Tu t'attendais une demi-seconde de plus, c'était fini, tu crevais. Alors... Allez, mon téléphone qui sonne, c'est parfait. Re-salut, voilà, excusez-moi, mon téléphone a sonné. D'où la petite coupure. J'ai mis en silencieux, tout va bien. Ok, donc là où j'en étais. Donc là, on a un slick juste là. On va essayer de passer. Attention. Ouh, oui, d'accord. Ok. Hop là. Quick save, c'était tendu. On fait monter la plateforme. Ouh, nickel, elle arrive juste au-dessus en plus. Allez, on monte. Ah donc là les slicks c'est vraiment des francs tireurs les mecs hein. Mais comment ils hésitent pas une seconde à te tirer dessus, c'est un truc de fou. On se pend ici. Et on... J'ai vu ça sérieusement. Ah c'est incroyable. C'est incroyable. Ok donc là faut surlever que j'avance un pas et que je saute. Quick save. Tourne-toi là. Hop là! Oh 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 oh! Re-quick save, voilà, ça va quick save à gogo là! Oh non! Oh putain! Je le sentais venir. Je le sentais venir le coup, j'allais fail mon saut là. Eh ben c'est voilà, c'est maintenant. Ah, ok. Quoi? Attendez!
Ah mais d'accord, je croyais que mon saut allait être assez haut pour pouvoir... Oh putain, je me sens roulé là. J'étais persuadé que j'allais sauter assez haut pour pouvoir m'en sortir en fait. Enfin, atteindre la plateforme à gauche, mais pas du tout. Donc comment on va faire? Attendez, comment faut faire? Il fait sa ronde, ok. Alors... Save, inutile. Et ça passe. Là, faut vraiment, ça jouait comme Neo dans Matrix, hein. C'est exactement ça. Ah, toi, je vais pouvoir t'envoûter, mon petit pote. Pour t'envoûter, par contre, il va falloir que je vais me mettre à l'abri à droite, là-bas. Donc, pour ce faire, je saute, je saute, je ressaute. Ok, donc là, je suis à l'abri. J'espère, j'imagine. Quick save. Essaye de t'embouter. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, mon pote. Voilà, très bien. Allez, on monte. Toi, tu vas pas faire long feu. Aïe, 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 aïe. Oh putain, il y a eu double fail là. Allez, je renvoûte. Ça c'est bien là, il pop à l'infini. En plus, les sligs, j'ai munitions illimitées. C'est nickel, même pas besoin de faire des codes. On est équipé. Ouf! Toi, je t'explose. Je vais aussi exploser le anti. Voilà, anti-envoûteur. Là, il y a un petit peu de monde, hein. Bim! Un de moins. Ça passe, là. Qu'est-ce que ça passe? Faut manœuvrer, hein. Ça passe pas trop. C'est bon. Ah, ça passe pas. Ah, oh, je me suis cramé la gueule. Ok. Bon bah là je crois que j'ai pas bien le choix, il va falloir que je monte par mes propres moyens. Hop, on saute ici. Ok, quick save. On va attendre qu'ils se tombent tous les deux. Comme ça. Voilà. Hop. Ça m'avance à rien de faire ça, dis donc. Oh mais dis donc. Ça va strictement avancer à rien du tout. Ah, mais je suis trop con, moi. Je charge ma quick save, excusez-moi. Charger quick save. J'ai complètement oublié qu'on pouvait, en fait, utiliser les leviers avec les slicks volants. Les slicks qui tirent les grenades, là, que j'ai envoûté juste avant. Donc, je vais pas perdre plus de temps et je vais redescendre. Oui. On fait des allers-retours, mais c'est comme ça, c'est comme ça. On se refout à l'abri ici et on l'envoûte. Ramène-toi, ramène-toi, oh, l'enfoiré, putain. Allez, allez, allez. Allez. Oh putain. Mais quel bâtard. Arrête de bouger. Voilà, là c'est bien, là t'es bien, là t'es super bien. Voilà. Bravo à toi, garde la pêche. On remonte. Et donc là, voilà, on va pouvoir tirer le levier. Ah putain, c'est pas vrai. On tire le levier. On se suicide, mais c'est pas grave, on fait péter le sligre en même temps. Au pire, je vais réembouter celui-ci pour être tranquille. Vas-y, viens caler à droite, là. Voilà, c'est parfait. T'as un bon petit sligre. J'ai rempli les petits. Allez, on remonte. Ah, donc là, pour l'épisode, j'en suis à combien? Une bonne grosse demi-heure, déjà? Ouah, c'est... Je pense que je vais faire 1 heure d'épisode, hein. Parce que là, faut vraiment que, ouais, faut que je finisse ce jeu. Hein. Avant de partir, il faut que ça se finisse. Allez, faut que j'arrive à passer là. Toi, à plus, mec. L'anti-envoûteur pour la postérité. Je vais exploser. J'explose le sigre en même temps. Voilà, c'est parfait. On fait le ménage comme ça. On réfléchit pas. Et je remonte. Cette fois-ci, le passage est complètement libéré. Je pensais pouvoir me débrouiller avec Abe, mais non. On a toujours besoin d'un slig grenadier avec nous. Voilà, alors là, les baraquements de Sling, c'est vraiment ambiance un petit peu triste ou nette quand même. Hein. Très militaire tout ça, quoi. Ok. Alors là, par contre, putain, ça rentre dans le foire, regardez ça. Quoi. Déjà, il y a des anti-envoûteurs de partout, forcément. Quick save. Voilà, il a fait ce que je pensais, Abe. C'est-à-dire qu'il. Il se pend pas à la plateforme, il grimpe directement. Donc il faut se méfier. Alors. Là pour avancer, il va falloir
que le Sligg qui patrouille en bas soit le plus à gauche, que le Sligg son petit promontoire soit tourné à gauche. Voilà, donc là c'est l'occasion. Ouh. Allez, quick save, monsieur là, mais c'est juste incroyable le timing. Incroyable. On suit le Sligg. Ah, une scripteur de grenade, ça me plaît, ça me parle. Ok, ça patrouille sévère devant le distributeur. Ils m'ont pas vu. Plus un mouvement, quand ils sont en mode quoi, comme ça, c'est qu'ils cherchent à repérer le Mudokon. Oh putain. Putain, mais comment je fais quoi? Là, il y a un petit souci technique. Quick save. Oui, j'arrive à... C'est là le problème, c'est quand on roule, on fait du bruit. Là. Et voilà, voilà. Ça devait arriver. Comment je vais faire pour sortir de ma cachette sans faire trop de bruit? Ça annonce de nombreuses morts d'affilée, tout ceci. Voilà, hein, voilà. Ah, mais je suis con. Mais je suis con, moi. On peut passer par au-dessus, en fait. Putain. Évidemment qu'on peut pas. C'est normal, il faut pas. Ok. Quoi? Rien du tout, retourne-toi, sois gentil. Ok. Non mais là, je suis dans la merde. Vas-y, tourne-toi, tourne-toi. Oh, putain, il me voit pas, là. Incroyable. Allez, vas-y, barrez-vous. Oh, c'est pas vrai! Il a réussi à tirer sous le truc. Putain! Oh, le nombre de morts que je vais me taper, hein. Ça va être violent. Alors, putain, en plus, ah, oh, j'avais pas fait de quick save, en plus. Dans ma grande intelligence, j'ai oublié de faire une quick save. Allez, barrez-vous, barrez-vous! Barrez-vous, qu'on le Sligg. Quoi? Quick save, voilà ce qu'il y a. Ok, ok, là c'est la bonne. Là cette fois-ci c'est la bonne. C'est la bonne. Alors, ensuite, hop. Voilà. Quick save. Quoi? Le mec, il y a juste un type dans le noir qui fait tomber des grenades à côté d'eux, ça rend pas compte. Oh quoi? Oh, il m'a vu! Oh l'enfoiré! Il a juste dû voir ma main dépasser pour récupérer la grenade, et ça a suffi à me tuer, quoi. Pardon. Encore un montage qui s'annonce des plus gratifiants. Ouais, quoi, ouais. Rien du tout, juste une grenade qui tombe à côté, t'inquiète pas. Hop, on récupère la grenade. On se relève. On va se diriger tranquillement vers là. Ensuite, quick save. Bouge pas, bouge pas. Voilà. Ça, j'adore. Ah, quand on est armé comme ça. Ah putain, j'ai plus de grenade, ok, pas grave. Hop, je récupère ça. Ensuite, on va faire un joli tir en cloche là. Merde, non, 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 non. Oh, je me suis fait exploser. Putain. Oh, c'est pas vrai. En plus, je suis sûr que j'ai même pas fait de quick save. Oh là là, l'enfer, l'enfer. Oh putain. Oh, vous avez vu la grosse connerie quoi. Jette la grenade et hop, elle me revient à la gueule. Nickel. Pas de soucis. Et en plus, il me voit. Oh, bah d'accord. Alors, assez. Allez. Fail en série, en veux-tu, en voilà. Montage de 8 heures annoncé. Du coup, je vais couper court la vidéo parce que j'ai pas envie que ça me dure des plombes. Hop, ne bouge pas. Reste là, voilà, gentil. On reprend une grenade. Quick save. Oui, quick save. Casse-toi, toi. Casse-toi, tu m'énerves. Voilà. Je récupère ça. Saute, 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 saute.
On va envoyer une grenade. Comme ça. J'en ai fait péter un, voilà. On a entendu Abe qui rigole, c'est y a un sneak qui est mort. Hop, on prend la grenade, on va aller voir ce qui se passe ici. Oh, j'ai même fait un double là, joli. Toi là-haut, tu m'emmerderas pas plus. Oh putain, j'arrive pas à lancer en l'air là. Ok. C'est pas grave, on va se démerder autrement, putain. Ouh là là, ce premier niveau sur les Black Panther League, c'est un vrai calvaire. Hein. Là, le gameplay, ça a plus rien à voir avec les autres temples et tout. Faut vraiment faire gaffe à tous ces mouvements. Explose! Ah merde, j'ai mis trop loin. On récupère une grenade, hein. Là, les allers-retours en voiture en voilà. Heureusement, les grenades sont en mode plus l'infini. Les sligues, ils sont équipés. On va faire un truc, tu bouges pas, d'accord? Non! C'est deux fois! Putain, c'est une blague ou quoi? Putain. Là, franchement, quand on voit comme je joue, on se pose des questions là, hein. Hop. Oh putain, je me tape tous les. Oh là, ça! Je me tape tous les murs possibles et imaginables. Allez, casse-toi! Voilà. Tu ne bouges pas. Non, c'est pas vrai! C'est un véritable enfer, ce mec! Putain! J'ai au moins ma cinquième grenade sur lui, le type normal. Mais pas paniquer, hein! Le mec, y a des grenades qui tombent sur lui depuis tout à l'heure. Pas paniquer, le type, hein! Franchement, rien à foutre! Mange ça! Bouffe, bouffe, bouffe! Voilà, putain! Ok. C'était mais fastidieux de chez fastidieux. Je vais encore faire un tableau ou deux et je vais couper là parce que. On sent que j'en chie. Hein. C'est pas le jour là. Hein. Alors, volontaire sur les baraquements. Ah là, donc là on retrouve nos amis les Mudokons. Allez, je peux l'envoûter. Allez, on se fait plaisir, on l'envoûte. Voilà. Gentil Slig. On va aller voir là-bas. Y'a rien, y'a un mur. Putain, c'est vautré le cigare. T'as mis sur vautre, quoi. Paf. Ok, on va descendre. Hein. J'ai dit on va descendre. Allez. Oh putain, c'est pas vrai. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Hein. On ouvre. Ici. C'est bon? C'est tout bon? Eh ben, on désenvoûte. Voilà, ça c'est fait. Hé. Un slig en moins, c'est toujours ça de gagner. On va aller donc consoler nos amis les Mudokons. Voilà, ils sont tout tristes, regardez. Alors, on va pas s'arrêter de façon intermédiaire. Salut. Salut. Ah, c'est pas ce qu'il fallait faire, merde. Désolé. Oula. Désolé. Vous avez vu? Alors, je vais vous le refaire. C'était assez drôle. Là, je l'ai pas dit sur le coup parce qu'il fallait vite que je dise désolé aux Mudokons. Mais alors, regardez. Salut. 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 Quand on le frappe. Il commence à se suicider en fait. Quand on frappe un Mudokon triste, il n'a plus aucune raison de vivre et commence à se suicider. C'est incroyable. C'est donc faut vite le consoler pour pas qu'il se suicide. Décidément. Là, on a des pertes et c'est pas le but. Ok. Ok, bah oui, il a une voix. Salut. 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 Désolé. Ok. Voilà, donc tout le monde est content. Suivez-moi. Ok. 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 Okay. Venez les gars, venez. On peut monter. On va aller dispatcher toi ici. Tu bouges pas. Ensuite les autres. On en ramène un ici, parfait. Et on va faire un tous ensemble. Salut, 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 au boulot. Voilà. Merci les gars, mais ouvrir la porte. Par contre, comment je les sauve là? Est-ce qu'il y a un portail en bas? Il y a un portail en bas, c'est parfait. Alors surtout ne pas oublier de les sauver, ce serait quand même super dommage. Genre là, bon, merci de me voir la porte, je me casse, démerdez-vous les gars. Allez, on va se la faire gentil. Allez. 6 d'un coup, pas mal. Hein. Allez, retournez à vos familles. Qu'est-ce que je suis gentil. Ok, bon bah écoutez, je pense que c'est sur cette note positive. Hein, un peu de positivité dans ce monde de brut qui est Oddworld. Que je vais couper la vidéo, bah c'est parfait, voilà. Donc je coupe la vidéo ici, au niveau de ce qu'on a finalement le donjon des Black Panther League, où je vais avoir 4 épreuves à faire pour avant d'arriver à la porte principale. Donc ben, je vous ferai tout ça à la prochaine vidéo, qui j'espère sera postée au plus vite. Et d'ici là, eh ben, je vous dis à bientôt.